Bonjour tout le monde, ici Button Sinker pour un nouvel épisode dans lequel on joue à Awesome Bots. Donc on va commencer par choisir un personnage et aujourd'hui, j'aimerais bien ça y aller avec Deadlift. Et le match commence. Donc Deadlift qui est en fait une sorte de personnage un peu tank qui est assez facile à utiliser. Et on va commencer pour vous montrer c'est quoi ses habiletés. Donc c'est un personnage mêlé, donc corps à corps. C'est deux habiletés principales, donc c'est le plunge qui en fait le fait sauter dans une direction très rapidement et donne un coup. Et sa deuxième habileté, c'est de mettre un shield, donc un bouclier, qui protège autant nos teammates, donc nos amis dans notre équipe, ainsi que les minions, donc les petits droïdes qui avancent vers les tourelles. Et on va commencer en s'achetant le premier upgrade, qui est celui-ci. Qu'est-ce que ça fait? C'est que à chaque fois que notre personnage fait un uppercut et qu'il touche quelqu'un, il reprend de la vie, donc du lifesteal. Revenir ici, on met déjà un bouclier, ça va nous protéger de quelques coups. Bam! Et tu... Oh! On l'a raté. Ça aurait été vraiment, vraiment cool de tuer Clunk là-dessus. Oh. Oh non! Donc, comme on peut voir, chaque fois que je fais un uppercut, je reprends de la vie. On va remonter en haut. Et on donne des coups à la tourelle ici. Bam, bam, bam. Oh, on s'en va. On s'en va de là. On va aller leur voler des creeps. Comme ça, on va reprendre de la vie plus rapidement. Et l'important ici, c'est surtout quand on tue des creeps, c'est les frapper au moment où on fait notre uppercut. Comme ça, non seulement on prend la vie extra que les creeps nous donnent, mais on prend en plus de la vie extra à cause du uppercut. Boum, on a tué quelqu'un ici. Reste là ici mon ami, bam. Est-ce qu'on... Ah non, on peut pas. Donc on donne des uppercuts ici, on voit notre vie remonter. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se mettre le bouclier maintenant, comme ça on protège nous, mignons. Bam! Des coups de la tourelle. Pour prendre un peu de la vie sur leurs minions à eux autres. Et on est pas mal en train de détruire leur tourelle. On va se remettre. Bam! Un bouclier. Ah, il a été détruit presque immédiatement parce que le clunk nous a frappé très fort sur ce coup-là. Donc on va descendre. Clunk qui nous suit. Bam! Bam, bam, on donne des coups ici. Oh! On met notre bouclier. On va essayer de faire en sorte que Clunk ne se rende pas à nous autres. Et on part. On part, on part, on part, on part. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se téléporter à la base parce qu'on a quand même récupéré assez d'argent pour s'acheter des nouveaux upgrades. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'aimerais ça avoir... Il y a un upgrade qui fait en sorte que... là 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 là, non. Et voilà. Que à chaque fois que le bouclier se détruit, soit manuellement, donc qu'on met fin manuellement au bouclier, ou que ce bouclier se fait détruire parce qu'il a pris trop de dommages, on récupère un peu de vie. Oh, ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Bam, bam. Si tu es ici, le... Oh, oh, oh! On tue le clunk, on descend en bas, oh! Et bam! On tue le Durple! Oh! On a failli tuer Raylin! Et on a notre musique de Killing Spree. On met un petit bouclier ici. Ça va protéger nos minions pendant un petit instant, comme ça on peut frapper la tourelle pendant plus longtemps. Bam! Et on a, comme je dis, la petite musique de Killing Spree. Très bien.
Et avec tout cet argent-là, on va juste se téléporter à la maison. Pour acheter encore un autre upgrade. Cette fois-ci, on va le mettre sur notre plunge, donc notre lunge. Donc, notre habileté à sauter dans une direction avec deadlift. Il y en a un que j'aime bien ici. Si je me rappelle bien, ça existe-tu ce que je cherche? Non. Non, non. Non, je trouve rien de. Donc, on va juste comme. On va juste se redonner plus de dommages à notre lunge. C'est bien comme ça que ça s'appelle. Le Power Lunge, et on va se donner un peu de Health Regen. Donc, régénération de points de vie. On vient sur le champ de bataille. On a déjà détruit 2 tourelles sur 3. La troisième est en train de se faire détruire présentement. Est-ce que... Ouh! On a maintenant 2 humains qui se sont connectés contre nous. Voyons voir comment ça se passe. Parce qu'on a commencé la game avec juste des bots. On part d'être là. Par leur creep. Bam, bam, bam. Ta 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 ta. On va pas le suivre plus que ça. Ce qu'on veut, c'est juste tuer les minions pour qu'ils avancent. On va partir de là parce qu'on sait qu'il peut nous stun ce qu'il vient de nous faire. Bam! Oh! On prend de la vie ici. Bon, là c'est devenu déjà plus intéressant. Oh! Détruit les minions avant qu'ils viennent nous attaquer. On descend ici en bas. Oh! Déjà devenu pas mal plus intense. Essayer de tuer le Derper ici. Non. On remet notre bouclier. On power lunge ici sur notre ami. Bam! Non, non, on réussira pas à me tuer comme ça. Ah, vous réussirez pas à me tuer. On va redescendre, on va upgrader. On a quand même déjà perdu 2 de nos alliés avec ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on va prendre? Plus de dommages sur notre power lunge et on vient rapidement. Au milieu du jeu. Ici tranquillement. Ah, on réussira pas. On réussira pas. On a réussi à se sauver de ce petit prétrin là. On va se redonner un peu de vie ici. On va aller tuer des creeps. Bam! Avec le uppercut. J'ai l'impression qu'on fait pas beaucoup de dommages avec notre attaque principale ici. Et on va aller tanker ça ici.
Bien essayé. Et on va aller se mettre un peu plus de dégâts sur nos coups de poing. Allons-y. Plus de dégâts sur nos coups de poing. Où est-ce qu'on est? Blablabla, increase the attacks. Oui, on va faire plus vite. Donc nos coups de poing maintenant frappent plus vite. On a perdu un coéquipier déjà. On va mettre un petit bouclier ici pour protéger nos minions. Et tuer rapidement ici. Va nous stunner, il a pas réussi. Oh, il a réussi! Ah! Et on a réussi à survivre à ça! Et on n'arrête pas de se faire tenter. On a détruit une tourelle. Oh, la dernière tourelle qui restait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Plus de dommages sur nos coups de poing. Increase damage on our slam for every nod. On va essayer de faire ça. On va prendre moins de coups de dégâts. Oh là là, ça va pas bien. On descend ici en bas, bam. Oh 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 oh, ici. Bonjour les amis. Oh non, on réussira pas à me tuer aussi vite que ça. Essaye vraiment de me tuer, hein. Ils vont réussir. Ils ont enfin réussi. Oh, là-dessus. Regardons notre score, quand même. Pas pire, pas pire. C'est-à-dire, c'est notre première mort dans le jeu. On a quand même fait 6 kills en tout. Pas si pire. Mais c'est sûr qu'avoir 2 autres bots dans notre team versus 2 ennemis humains, c'est très difficile. On va essayer de pas trop leur faire gagner de l'avance sur la map. On descend ici. Et bim. Pas de minions qui tiennent ici. On descend ici. Et voilà. Je sais qu'ils veulent juste me tuer. Oh. On va sortir de là. On va tuer les petits minions ici.
récupérer le plus d'argent possible pour faire prendre les upgrades le plus rapidement possible. Oh, on va descendre ici en bas. On regarde vraiment les UGV sur la map. Le plus possible. Oh non. Et on descend en bas. Il est avec ça. Il est encore avec ça. On essaie vraiment juste de faire le plus d'argent possible. Oh, on s'est mis dans une situation un peu bizarre ici. Et voilà, on a réussi à survivre. On va retourner à la base. Ils n'ont pas encore réussi à trop toucher une tourelle. Et on est en train quand même de détruire leur base pendant ce temps-là. On va aller avec... Qu'est-ce qu'on peut aller? Slow enemy inside. Oui, on va ralentir les gens qui sont à l'intérieur de notre bouclier. Allons. Dépêchons-nous. Donc présentement, ce qu'on fait vraiment le plus que n'importe quoi, c'est juste de s'assurer de détruire tous les minions dans tous les corridors. Pour qu'il y en ait le moins de possible pour qu'ils avancent pas trop. Oh! Ça, c'était vraiment une mauvaise position pour nous autres. Et on récupère un peu plus de vie ici. On se met notre shield. Et bam! On fait avancer les minions le plus possible qu'on peut. Comme je dis, c'est vraiment une question de les garder vivants. On va monter ici en haut, on va descendre en bas ici. Et on s'en va. On descend en bas, on tue toutes les minions qu'on peut. Le petit bouclier, on tire. Encore perdu un allié. Essayez de se débarrasser de ça le plus vite possible. Bam, je sais qu'ils avancent ici. On monte en haut. On remet notre bouclier. Bam, bam, on se débarrasse de ça. On nettoie la lane, le corridor. Et on va aller s'attaquer à leur base ici. Du moins le plus qu'on peut. On fait avancer le monde ici, bam! Il réussira pas à tuer notre Yuri. Pendant ce temps-là, encore une fois, is bam! Yo, on s'enfuit de là. Aussi vite arrivé, aussi parti. Aussi vite parti. Je pense qu'on va... On va se téléporter le plus vite qu'on peut. On va se débarrasser de ces minions-là. Le Yuri va tendre de là. Donc on est quand même très loin en termes
tu es la première personne en très longtemps. Oh, on a raté notre coup. Oh! Bam! Et on a survécu. Pendant que ça se trame, on va essayer de upgrader une de nos habiletés le plus possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir rien d'intéressant. Reduce the damage output, increase the knockback. Non, je veux pas knockback. J'ai juste plus de dommages. On va prendre ça pour l'instant. On va acheter le plus de trucs qu'on peut. Plus de vitesse, plus de ça. Il faut qu'on retourne vraiment vite. Sûr. Il faut vraiment, vraiment qu'on essaye d'éliminer le plus de minions rapidement possible. Pour pas qu'ils réussissent à... Oh! À pousser trop trop. Encore perdu un allié. C'est fou, mais on a tellement tué de minions depuis tantôt. Regardons le score là. Quand même 106 millions depuis tantôt. Essayez d'aider notre Raylin. Est-ce qu'elle se fasse pas tuer là? On va pousser. On s'en fout. On les fait avancer le plus qu'on peut. C'est qu'ils veulent nous tuer ici. Ils ont réussi à nous tuer. Ils ont réussi à nous tuer. Oh là là, ça va pas bien. Ça va pas bien. On a quand même fait beaucoup de points là-dessus. On a ramassé beaucoup d'argent. Énormément de millions tués. Le problème, par exemple, avec ça, c'est que nos deux coéquipiers qui sont des bots risquent de se faire tuer d'ici là. Ça aurait vraiment été le fun que depuis tout ce temps-là qu'on a commencé la game, avoir vu d'autres coéquipiers qui se connectent de notre côté pour nous aider. Damage reduction, donc on prend moins de dégâts maintenant, on va perdre moins de points de vie rapidement. Oh! Détruire le plus qu'on peut ici. Hein. Si Ovi pourrait arrêter de s'attaquer à ça deux secondes. On va vraiment faire le mieux qu'on peut pour gagner cette partie. Cette partie-ci. On va pas tuer ça. Whoop! Faire avancer les minions le plus qu'on peut ici. Faire avancer les minions, on fait juste avancer les minions. Avancer le plus de minions qu'on peut. C'est un peu plate. Je le concède. Mais la raison, c'est parce qu'on essaie de vraiment jouer le plus défensif possible et juste attaquer au bon moment. Enfin, sans doute le moins. Bam! Et on sort de là. On n'a pas réussi à le tuer. Ah! On a quand même pas réussi, on a réussi à ne pas se faire tuer dans toute cette situation-là de fou là. Et
pas réussi à le tuer après tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne ici. On va pas la protéger plus que ça. Et on va juste tanker tout ça. Essayer de le faire empêcher de sortir de là. Oh, on va se faire tuer ici. Oh, resti. Bam! 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 On n'a pas réussi à le tuer avec le uppercut. Prends le help qui est là. On avance, on fait avancer le plus qu'on peut les minions. On va tanker tout le damage s'il faut. Et on prend notre bouclier ici. Et on a perdu un allié. Et on attaque la base. Ah oui, je sais, va nous stunner. Ah, ils nous ont enfin eu. Ils nous ont enfin eu. Qu'est-ce qu'on prend comme upgrade? On a plus de health, on attaque plus vite, et boum. Maximum de choses qu'on peut faire. On a quand même réussi à poker leur base encore un petit peu plus. Faudrait pas qu'ils réussissent à poker nos tourelles. Cela dit, hé là là. On n'a pas fait beaucoup de kills. On avait un bon kill death ratio jusqu'à là. Oh, ils sont carrément en train de... ils ont carrément détruit une tourelle. Ils l'ont tanké. Et c'est ici que la game se termine probablement. Parce que je ne peux pas protéger ça ici. Je ne peux vraiment pas le protéger. On va le tanker, je m'en fous. Il n'y aura pas de ultra mignon ici qui tienne. On voit pourquoi j'ai autant de misère à juste tuer des gens. Tant des lifts fait énormément de dégâts. C'est d'attaquer leur tourelle encore une fois. Y aller avec Raylin. Ils ont déjà utilisé la plupart de leurs skills pour tuer Raylin. Et on avance, on fait pousser ça ici. Et on tank tout ça. On tank le plus qu'on peut pour l'instant. Je pense pas qu'il va réussir à me tuer, là. Être tout seul. Oh non, Raylin qui part tout seul. Y'a rien que je peux faire pour l'empêcher d'aller tout seul.
Alors, plus de dégâts qu'on peut ici. On est presque mort. Et spin! On a presque tout repris notre vie. Allez, c'est vraiment pas le show le plus intéressant. Mais on n'a pas d'allié pour nous aider, c'est ça qui est plat. Et... bim! Après ça, on va avoir tué vraiment, on va voir comme le record de minions tués dans une game. Mais bien sûr qu'un allié a été tué. Que croyez-vous qui allait arriver? Ah, on s'est fait tuer. Ils vont réussir à push. On peut plus rien faire rendu à ce moment-là. On réduit le cooldown du lunge. Reduce le cooldown du protective pose. C'est pas mal tout ce qu'on peut faire. Sinon, là, c'est le moment parfait pour eux autres pour pousser, en fait. Ça fait 32 minutes qu'on joue, c'est... You kidding me, bro? Et on va se rendre là assez rapidement. Oh non. Oh non, mon gars. Bam! On va pas overcommit, pas en tout. Bam! Of course. On leur fera pas avancer. Et on avance tranquillement ici. Bam, non. Et on a tué un ennemi. On va augmenter notre kill death ratio avec ça. Et on se fait taunter par le frog, Froggy G. Bam! C'est comme le temps que le monde pousse ici, là. Et après tout ce temps-là, il n'y a encore personne qui s'est connecté dans notre équipe. Pour notre équipe. Non, non, non. Et après tout ça, on n'a pas réussi à tuer personne. Bro. Really, là? Tu réussiras pas, là. Et ça y est, je m'en fous de toi, Froggy G. Je te tank et je tue. GG well play, mofos! Après tout ce temps-là, on a réussi à gagner. Vraiment une des games les plus plates que j'ai joué de ma vie. C'était pourri, mais on a quand même gagné. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté cet épisode de Awesome Nauts!